Bon matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour le dernier message intuitif de la semaine. Nous sommes le vendredi 11 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, faire le tri. Eh bien, cette carte fait le lien entre rangement et esprit désencombré. Alors, lorsque notre mental est embrouillé, n'est-ce pas, il est temps de le désencombrer. C'est exactement la même chose que lorsque nous accumulons beaucoup de choses dans notre maison. Il arrive un moment donné où on doit faire un triage. Une solution, eh bien, est de faire un grand ménage. Car trier chez soi, c'est aussi faire le tri intérieurement. De fait, eh bien, nous croulons sous les objets que nous achetons, que nous avons récupérés ou qui nous ont été offerts. Vider, ranger, organiser et chercher plus de minimalisme. Faire place nette vous aidera à y voir plus clair. Que ce soit dans votre univers matériel ou bien dans votre mental. Et cela vous permettra de trouver ou de retrouver un meilleur équilibre. C'est comme une libération, n'est-ce pas? C'est vous offrir un nouvel intérieur, vous alléger, et ça allégera, et ça vous délestera d'un poids. Faire le nettoyage du printemps. Mais nous ne sommes que au mois de février, n'est-ce pas? Mais là, faire le tri. Et je dirais aussi peut-être faire le tri dans nos relations. Peut-être que dans nos relations, eh bien, il y a des relations toxiques. Ça nous élève pas, au contraire. Donc peut-être aussi faire un tri autour de soi, c'est pas plus mal. Alors, petit rituel à intervalles réguliers, organisez vos journées, eh bien, pour désencombrer. Trier vos objets, catégorie par catégorie, par exemple. Alors, les femmes, nous les femmes, on a beaucoup, beaucoup de vêtements. Peut-être faire un tri dans les vêtements. Alléger notre garde-robe. Etc, etc. Alors, ça peut être aussi, évidemment, dans le bureau, des livres, ça peut être aussi dans la cuisine, n'est-ce pas? Alors, face à chacun d'eux, eh bien, posez-vous les questions suivantes. Tiens, cette chose ou cet ustensile, est-ce qu'il me rend heureux ou pas? Est-ce que ce vêtement me rend heureux ou pas? Ou alors me rappelle-t-il un bon souvenir ou un mauvais souvenir? Posez-vous ces questions et gardez seulement les objets qui vous apportent de la joie. Alors pourquoi pas donner ceux qui sont en bon état à des associations?
Vous ferez des heureux pour ceux qui n'ont pratiquement rien. Et une fois le travail terminé, eh bien, félicitez-vous et profitez. Profitez de cette impression de légèreté. Eh bien, nous terminons bien la semaine. Je trouve que faire le tri, eh bien, c'est une très belle carte pour terminer cette semaine. Message lumière. Je suis santé. Eh bien, pour notre santé mentale, c'est indispensable de faire le tri autour de soi. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Et je termine, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Je vous souhaite un excellent week-end, une toute belle journée. Merci pour votre écoute. Merci pour vos messages. Merci pour votre gentillesse. On se retrouve eh bien, pour une prochaine capsule. Je vous embrasse. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de ceux que vous aimez. À tout bientôt.